va mal finir. Sarajevo. Sergent Nelson Evans. Réveille. Grosse crise qui se dessine en Bosnie. Vous avez rencontré sur place un agent travaillant à CZ, un escroc local, le monde de Mélé. Le seul ennemi, celui qui suit. Les fantômes des victimes de Bladitch doivent être vengés. C'est exactement. On devrait gagner tous ces circuits. Je me fous de la mission tout à l'heure. Il va falloir que tu te concentres maintenant. On ne peut pas se permettre la moindre erreur. Tu aurais dû apprendre en profiter des années. C'est un peu tard. Tu veux voir. Attendez, je vais gâcher. Merde, fais chier. Yop tout le monde, c'est Roro14, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 4 du Let's Play sur Sniper Ghostwire 2. Et on se retrouve à l'acte 2 déjà. Ça m'a l'air assez rapide. Donc là on est reparti dans les temps modernes, enfin dans les temps d'aujourd'hui en 80... Ah non, là on est reparti en 93. Juste avant la cinématique que vous avez vue, c'était aujourd'hui, donc dans le présent. Et là on est en 93. Sergent Anderson et Maddox. À vos ordres. On a une grosse crise qui se dessine en Bosnie. Et vous êtes la meilleure équipe de sniper-getter auquel Benning a accès. Alors c'est vous qui allez vous y coller. Les forces serbes assiègent Sarajevo. Selon des sources fiables, beaucoup d'atrocités ont été commises, la plupart commanditées par cette ordure. Commandant Marko Vladić. Ces escadrons de la mort ont systématiquement décimé les habitants de la municipalité de Starigrad. Sauf votre respect, monsieur. Pourquoi n'ont-ils pas encore tué cette ordure? L'OTAN ne peut agir tant qu'il n'y a pas de preuves des crimes de guerre de Vladić à montrer aux télévisions du monde entier. Et vous voulez qu'on joue les paparazzi dans ce bourbier? Vous allez rencontrer sur place un agent qui travaille pour la CIA, un escroc local du nom de Merinov. Il vous guidera. Récupérez des preuves photographiques des crimes de Vladić et ramenez-les à bon port. On fait quoi si on tombe sur Vladić? Vous avez vos instructions, sergent. Ramenez les photos. Et après, on parlera de Vladić. Compris? À vos ordres. Bonne chasse, messieurs. Bon, nouvelle mission, dans un autre contexte. On part en Bosnie cette fois-ci. Pour une mission avec un getter, je crois. Donc nous, Anderson et Maddox en dessous. Et on va appuyer sur Start pour commencer la mission. Et on doit récupérer les photos. V3-2, d'après le radar, vous êtes à 2 km au sud-est. On n'a pas un chute d'ailleurs. D'après nos infos, les Serbes ont paralysé Sarajevo. Soyez hyper vigilants pendant l'infiltration. Se casser les genoux, comme dans Minecraft. J'ai entendu que c'est toi qui as recommandé ce mec au commandement. C'est qui? C'est une petite frappe. Un vrai minable. Comment il court lui? Il a essayé de nous vendre de la piste d'âne quand on était stationné en Afghanistan. Mais s'il y en a un qui peut s'infiltrer en territoire hostile. Bien lui. Va nous mener à Vladić. Aux preuves, tu veux dire? Oui. Attention, blindé à midi. Je digresse. Tas de ferraille post-soviétique à midi. Vise le soldat sur la coque. Distance de 150 mètres, vent stable. Prêt à l'attaque. Maintenant, celui qui répare le moteur du blindé à droite. Oh, y'a un... Même un réparateur. Vent d'est léger. Feu. C'est bon, on a un guetteur. Suis-moi. Nickel. Ce serait bien que les services secrets n'arrangent pas de rendez-vous en pleine zone de combat. Tu m'étonnes. Ils enterrent plus les cadavres dans les bois. Toujours cynique. Apparemment, le mec est un lâche. Il a insisté pour que la rencontre soit exactement à cet endroit. Il dit qu'on peut prendre de super photos ici. Et c'est moi le cynique. Je vois une cible à la fenêtre, au premier étage de la maison. Ouais, je le vois. Attendez, j'attends que le... J'attends que le cœur se stabilise. Ok, c'est parti. Allez, coco. Oh, t'as pris cher, toi. Ah, c'est bien fait, l'effet et tout. C'est sympa qu'on ait un nouveau pote, là. On y va. Je passe en premier. Couvre-moi. Entendu. Je te gérerai, mec. Ok, on l'a un. Nickel. Il est temps que j'en profite un peu. Ne sois pas prétentieux, Karl. On a un travail à faire. Et dire que je pensais que Wheeler était le pet sec de cette unité. Avance. J'aime bien les dialogues. C'est vachement bien foutu et les mecs s'arrêtent pas de se casser. Enfin, pas s'insulter, mais attention. Se charrier. Deux. Trois ennemis. Un à la fenêtre, deux dehors.
à mon signal. Première cible sur le côté gauche du bâtiment en train de fumer. Finissez-le. Pas de soucis, à 2 cm devant, 2 mm devant. Putain! Oh là là, mais quel beat! Attendez. Je suis désolé, mais là on est obligé de recommencer. C'est moi. Ce serait bien que les services secrets n'arrangent pas de rendez-vous. Je suis désolé d'avoir recommencé, mais là je ne peux pas commencer une mission comme ça. Je peux pas. C'est physique, je ne peux pas commencer une mission en faisant une bande comme ça. Soit exactement à cet endroit. Il dit qu'on peut prendre de super photos ici. Et c'est moi le cible. Je vois une cible à la fenêtre, au premier étage de la maison. Ouais, je le vois. Donc à bien savoir que les casques retiennent les balles. On sait vraiment pas. Et je vais tirer dans la nuque le plus possible. Joli tir, partenaire. Partenaire. Appelle pas comme ça, on dirait des gays. L'intérieur. On y va. Je suis pas gay. Son premier. Couvre-moi. Je vais tirer dessus. Entendu. Parce que j'ai pas envie de faire foi à la mission. Tue-le. Vas-y, tue-le. Égorge-lui la gorge. T'as mal, hein? Ah, t'as mal. Ne sois pas prétentieux, Carl. On a un travail à faire. Ah mon dieu. Et dire que je pensais que Wheeler était le pet sec de cette unité. Avance. Allez, on va pas se foirer cette fois-ci. Attention. On va essayer. Deux, trois ennemis. Un à la fenêtre, deux dehors. À mon signal. Première cible sur le côté gauche du bâtiment en train de fumer. Finissez-le. Alors attendez, hop. On va essayer de pas le foirer, on va tirer vraiment ici, dans la nuque. Oh là non, non c'était bueno, lui c'est bon. Maintenant le mec avec la radio sur la droite. J'ai son canon dans la gueule. Lui ça va, il a pas de problème. Voilà c'est bon. Et le troisième à la dernière cible, à la fenêtre. Par contre lui va me faire chier. Ah non, c'est vrai. Voilà. C'est mieux. Ah, je peux pas, je suis maniaque là-dessus, mais je peux pas commencer une mission en faisant une bourde comme ça et me faisant repérer, me tirer dessus. C'est pas pour moi. Ça. On est toujours avec notre guetteur. Je sais pas qui c'est ce guetteur là. On a un nouveau. Et par contre. Patrouille en approche. Merde. Couche-moi. Ah, je te suis. Putain, il y a du monde. Oh, on va passer sous le train. C'est Bruno ça. Y'a du monde. Oh putain! Y'a moyen de se faire une quad, une quinte, une sextuple et tout ça. Je peux pas tester, s'il te plaît. Attends, bouge pas. Y'a carrément une chip et tout. Je pense qu'on ferait pas le poids là. Avec deux petits snipes. On aurait pas fait le poids du tout. Pas du tout ce que j'ai comme snipe là. C'est pas. Oh! Mais non, qui m'avait vu? Il est toujours là-bas, hein? Avec moi! Là, et deux là-bas, hein? Ça sert à quoi de te lever pour. Vas-y, avance! Oh merde, muscle au cul! Eh, roule du cul, hein, ce con-là! Elle est un peu une tata, hein? Je vais me le faire. Ah, laisse-le moi s'il te plaît. Oh l'enfoiré. Pique tous mes kills lui. Il me pique tous mes kills ouais. Oh c'est un enfoiré ce gars là. Qu'est-ce qu'il fait, il repasse en dessous ou pas? Non. Du coup bah dis-moi hein, de me suivre de te suivre ou pas, hein. Y'a pas de soucis mec, hein. Fais ça solo, y'a pas de. De main caméra, tu fais le let's play tranquille tout seul. Et tu. On dirait qu'ils vont vers la ville. Il faut qu'on fasse l'échange au plus vite. C'est un chat. Les gros calibres ne gagnent plus les guerres. Du coup, on engage des petites frappes à la place. C'est pas tout à fait ça. Les mots et les photos sont aussi puissants que les armes. Pour ce job, on a besoin de l'arsenal politique. Putain. Ça devient de plus en plus dur d'aimer mon pays. Alors j'écoute, hein. Comme je vous rappelle dans cet aspect, j'écoute pas mal ce qu'il me dit. Le contrebas est trop dense pour qu'on puisse tirer. On va se faufiler. Suis-moi, reste sur tes gardes. Bien sûr, chef. J'écoute vraiment ce qu'ils disent parce que c'est vraiment important. C'est en face. Laisse-le, il est trop exposé. Ah, il y a moyen de faire une double.
C'est important d'écouter vos coéquipiers parce que sinon vous ne pouvez rien faire, vous allez vous faire tuer direct. Ils sont là vraiment pour vous aider. Oh, tiens, un gars dans le cul, gars. Avec moi. Donc moi je tiens vraiment à bien écouter ce qu'il dit, à bien prendre en compte toutes ses indications. Ne tire pas. En même temps c'est un jeu calme. C'est pas un jeu bourrin. Si vous achetez ce jeu là pour faire bourrin, c'est un peu n'importe quoi. Des jeux de bourrin, il y en a plein dans le commerce, alors que des jeux de snipe, des bons jeux de snipe, il y en a très peu, donc si vous achetez ce jeu là, c'est vraiment pour jouer le jeu quoi. Stop. On y va, prudemment. De secours max. Ouais, j'avais pas récupéré de trousse tout à l'heure, bizarrement. Oh, j'en ai deux. On a toujours deux de base, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. En tout cas, les environnements ont complètement changé. Laisse-les passer. Suis-moi. Les environnements ont complètement changé, c'est assez sympa. Ça varie à mort. J'ai vu dans la bande-annonce qu'il y avait un en pleine ville, avec des grands immeubles et tout. Là, j'ai vraiment hâte d'y être. Je sais pas si c'est dans Sarajevo. Ah, il y a moyen. Des buildings là-bas. Je sais pas du tout si c'est dans Sarajevo ou pas, mais ça pourrait être vraiment sympa de faire du snipe de building en building. Contact droit devant. Élimine-les en silence. Ok, pas de soucis. Hop, quoi. C'est devant déjà. Un. L'autre, il est là-bas. Je sais pas comment. Qu'est-ce qu'il regarde. C'est de l'avoir. Là, il y a un casque. Retourne en arrière, vite. Voilà. Je vais pas faire voir comme tout à l'heure. Ça faut vraiment faire gaffe hein, sur les long shots et tout. Faut vraiment bien viser le cou, la nuque. C'est quoi ça? C'est pas une fusée éclairante. Elle aurait déjà disparu maintenant. Traversons le plus vite possible. Oh putain, à terre! Et quoi? Oh, y'a un bon monde là. Attends-moi! Mais attends-moi! C'est pas passé loin, Carl. Rappelle-moi de ne plus jamais t'écouter. C'est pas le moment de douter, mec. Un tireur pour toi, tout là-haut. Tout là-haut. Bon, c'est tout. C'est ça, tout là-haut pour toi. Allez, hein. Alors, à milliseconde, on est à combien de mètres? On est à. Ouais, c'est bon. Ok, suivant. On va corser un peu les choses. Tu crois que tu peux faire un doublé? Oh oui, t'inquiète, je peux toujours faire un double headshot ou pas? Est-ce que tu veux un double headshot? Dis-moi. Dis-moi vite, c'est bon, double headshot. D'accord. Voilà. Joli. Et celui sur la gauche, ça devrait être facile. Adios. Joli petit double headshot au passage, hein. Avec les casques en plus. Je m'aime. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Cette action devrait rester dans les annales. Encadrée. Cette vidéo va faire le buzz, je suis sûr. Mais qui part en live. Perd complètement les pédales. Quelle altitude ça. On est très haut là, Sarajevo est une ville très très haut. Oh putain, y'a du monde. Oh, artillerie et tout. Sûrement des restes de forces croates essayant de gagner du terrain. Ils sont tarés de voler si bas sous le nez des batteries anti-aériennes. Oh la vache. Un beau gros bordel. On fait quoi ? Je m'en occupe. J'espère qu'ils vont prendre la tangente quand on aura fait leur boulot. Couvrez-moi, je me lance. Je fais quoi ? Je tue les gars ou pas ? Attendez. Placez du C4 sur les canons antiaériens et détruisez-les. Ok, d'accord. Là, d'abord, faut tuer les gars, je suppose. Attends, trop. Pivote. Pivote un petit peu. Bouge plus. On va se tenter la double headshot là. Oh, bingo ! Allez, dans la gueule. Pardon. Je vais te calmer tout de suite. Pourquoi tu vas te calmer, j'ai dit, dans les couilles, tiens, c'est mon fun. Voilà. Ah, quand même. Calmer, oui. Contre le véhicule anti-aérien. Ouais, bah deux secondes. On charge. Bon, j'arrête de faire ma petite double headshot, nickel. Pour passer le C4. Toc. Petite valise. Quel... Explosif en place! Prends d'avance et réduis-les en poussière. Ok,
Et une autre batterie ici. Redirigez-vous sur votre objectif. Pardon, excuse-moi. On s'est occupé des forces anti-aériennes. Couche-toi. Occupe-toi de l'autre tireur. On va passer par là. Oh bah lui c'est fait. Ils ont pris cher. C'est pas grave. Un point pour les visiteurs. Bouge vers le dernier. Alors, voyons voir nos petits copains qui sont parfaitement alignés, dis donc. Attendez, ah non, plus parfaitement du tout. Ah, c'est pas grave. Hop là, non, c'est plus bon. On va se refaire une double headshot quand même. On n'est pas là pour un. Assez. Allez, recharge vite. Oh putain, il est pas été. Ah, il m'a vu ou quoi l'autre? Oh ouais, tu vas te calmer. Tu vas te calmer tout de suite. Tu tires pas dessus comme ça, merci. Les derniers, ils sont. Installe le C4, dépêche-toi. Attendez, je vais te tirer dessus, chef. Il fait mal ce con. T'es où? Ah, il est là. Bonjour. Putain, je le vois pas, il est où? Ah, il est là. Reviens là, toi. Salaud. Oh, attends, je vais tirer dans le cul, c'est pas grave. Attendez, stop. Voilà. Ouh. C'est chiant qu'on ait pas le gros snipe là, le snipe non à verrou, parce que c'est ce qu'on perd du temps, c'est là où on reprend le verrou en fait. On recharge avec le verrou, les gars ont le temps de nous viser, nous arracher la tête. Eh ben, deux secondes. Oh là là. Le mec il est planqué là-bas et il faut que je fasse le boulot. Oh pardon, du rototo. Voilà. Ça marche. Les combattants vont vers le nord. On sait pas pour combien de temps, mais faut qu'on disparaisse. On se rejoint au passage souterrain un peu plus loin. Bon boulot, Cole. Un compliment de Maddox. Ouh, c'est assez rare pour le souligner. Allez, notre homme devrait être de l'autre côté de ce passage souterrain. Parfait, on a des munes, on a des soins. S'il y a d'autres soins dans le coin, à récupérer. Putain, c'est bon, ça. Caché dans les trucs et tout. Quelqu'un arrive, ma gueule ou quoi? Il y a 4 gars, même plus. Allez, moi je me couche. Tiens, dessus, je vais me faire une triple. Je vais me faire une. Putain, courez! Putain! Ils ont des clébards, les enfoirés! Oh là là, je fais canard! Couvre-moi, Cole, je pose un explosif! Couverture! Hop, on a un. Suivant. On est grave dans la merde! Merci, j'ai vu, laisse-moi bosser! Hop. Attends, j'ai encore un là. Je tente le scope. Ah, désolé. Tiens, le mets direct. Ah, vous êtes mort? Mais lui, d'où je suis mort? Allô, j'étais derrière toi, mec. J'étais derrière mon collègue et lui n'est pas mort. Merci. On sait pas pour combien de temps, mais faut qu'on disparaisse. On se rejoint au passage. Il m'a tué. Un peu plus loin. Bon boulot, Cole. Un compliment de Maddox. Ouh, c'est assez rare pour le souligner. Oh, l'enfoiré, il m'a tué en fait. Allez, notre homme devrait être de l'autre côté de ce passage souterrain. Quelqu'un arrive, viens. C'est moi d'abord. Je vais me cacher bien en dessous, comme ça ils ne verront pas. Je fasse gaffe aux chiens après, faut que je décolle vite. Bon, j'ai pas bien compris là, pourquoi j'étais mort. Première nouvelle, merci de tenir au courant. J'étais juste derrière lui, mais lui est pas mort. Hein. Ah, c'est peut-être un gars qui m'a tiré dessus. Ouais. Avant que l'explosif explose. Allez, les chiens. Encore, c'est parti.
Ils font mal, hein. Ah, je connais la mission. Hop. Couverture. Oh, beau ça. Je sais pas. Brouille-toi, on est grave dans la merde. Merci. Tu veux le somme de notre vie au Nashville. Ils sont bloqués ou quoi? Hop. C'est fait, on se casse, on y va. Allez. Oh, c'est ok, c'est pas de soucis. Je suis mort. Je ne comprends pas. 2h06 et je déteste Sarajevo. Je complète parce qu'il s'arrête des fois le jeu. What the fuck, c'est quoi ça? Toi, c'est Anderson. Ouais. Very enough. Le seul et unique. Vous savez qui je suis? Tu m'enverras ton CV plus tard. On est pressé. Vous, les Américains, vous êtes toujours en train de courir partout, toujours occupés. Je vais apprendre à vous détendre. C'est sûr qu'on n'est pas en train de fumer une clope au coin d'un mur pendant la guerre. Les filles pour vous tenir chaud. Je serais heureux de vous aider avec ça. Peut-être plus tard. Il paraît que tu connais le chemin. Oui, j'en ai bien peur. J'aimerais ne plus jamais avoir à poser les yeux sur ce terrible endroit. Les fantômes des victimes de Vladić doivent être vengés. C'est pour ça que nous sommes là, pas vrai? Ça et une mallette pleine de billets de $100 intraçables. Je crois que ton partenaire ne m'aime pas trop. Je t'aime pas trop non plus, mais on n'est pas venu pour se faire des amis. Plus vite, tu nous amèneras au campement de Vladić, et plus vite tu pourras récupérer ton argent et retourner à ta petite vie palpitante. N'en dites pas plus, suivez-moi. Oh, c'est fini. Bon, on n'a pas fait... Ah, déjà au niveau headshot et normal, ça va. Ah, 83%, enfin je suis passé en 83%. Tire plus de 148 mètres et 145 mètres pour l'headshot le plus loin. Bon, bah moi tout ça, moi je vous dis qu'on va se laisser là-dessus pour l'instant. Et on va se retrouver pour l'épisode 5 dans pas longtemps. En tout cas, moi j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous demande de laisser un petit like et de vous abonner à ma chaîne avec... en laissant un petit commentaire bien sûr sur la vidéo, ça fait toujours plaisir comme je vous ai toujours dit de lire vos commentaires et tout, même si je peux pas forcément y répondre tout le temps, j'essaie de répondre un maximum. Mais c'est vrai qu'en ce moment au niveau du taf j'ai pas mal de boulot, donc je regarde un petit peu les commentaires et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'essaie d'y répondre en tout cas. Sur ce, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour l'épisode 5. Ciao tout le monde, bye.